Bah, les dernières, j'étais parti. Bon, j'avais tout fait devant, donc on était parti à une vingtaine, mais bon, j'en avais fait beaucoup trop sur la partie en ligne. Bon, cette année, j'ai un peu plus d'expérience, donc je vais essayer de mieux gérer la course, parce que c'est très dur dans le final. Quoi. Les consignes, c'est quoi cette année? C'est suivre au départ ou bah, ouais, des jeunes, on est 13, donc déjà être en surnombre dans les échappées, c'est sur la partie en ligne, il faudra être présent tout le temps, ne pas louper un coup, ne pas être en retard. Et puis bon, après, on sait très bien que ça sera en costaud dans le final. Donc si on est fort, on sera devant. Sinon, bah, tant pis quoi. Un objectif non, parce que il y a des courses qui plus importantes entre guillemets qui arrivent la semaine prochaine, notamment avec la Coupe de France et le Tour de Bretagne. Après on peut pas courir après toutes les courses, donc ça fait 15 jours que je suis pas mal, que l'équipe tourne très bien, donc on va essayer de récidiver aujourd'hui, même si ça va être difficile. Hein, de toute façon, je pense qu'on aura la pancarte aujourd'hui. En plus on est 17, donc on verra bien la tournure de la course. Cette année, je pense que les autres années où j'ai couru Gilbert Bousquet, les conditions étaient un peu moins bonnes. Et donc on va voir, d'habitude c'est le vent. Au début de l'année, on s'était fixé un top 10. Après la première, on s'est dit bon, ben, on est premier, on va essayer de continuer sur notre lancée. Finalement, on prend les trois premières places, donc on est encore au premier avec pas mal de points d'avance. Donc maintenant on va essayer de gérer notre avance et essayer de marquer le plus de points au maximum. Donc ouais, c'est comme toutes les DNA, c'est la course où il faut marcher et nous c'est une priorité cette année. Pour équipe amateur, hein, après on a des conditions de pro, hein, c'est sûr, on a un bus, des vélos, un verre mulet, un vélo de course, donc l'entraînement. Après bon, on est comme tout le monde, hein, on a juste la logistique qui est un peu plus développée que les autres équipes. Après, en ce qui me concerne, c'est plus du tout mon objectif de passer professionnel. Hein. Cet hiver, j'ai passé le cap. J'ai réussi à passer le cap et maintenant, j'ai un avenir plus basé sur l'armée, où on m'offre en fait une opportunité de devenir moniteur de sport. Donc cet hiver, j'ai passé mon premier examen, donc que j'ai réussi, je suis aide-moniteur PMS, donc je vais continuer sur cette lancée l'hiver et puis la saison de vélo, je vais continuer à pédaler.
Thank you.